Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et je vous retrouve pour la suite de Crash Twin Sanity. Alors, dans la vidéo précédente, pour rappel, j'ai réussi à entrer dans le labo de Cortex. Et une fois arrivé, nous avons une petite visite des jumeaux maléfiques. Et enfin bref, voilà. Et pour accéder à leur dimension, nous devons posséder 6 cristaux, or nous n'en avons que 4. Et apparemment Cortex a une idée de génie, et on va voir de quoi il s'agit. Là, vers la mer, notre salut flotte sur l'océan bleu. Nous devons rejoindre le cuirassé du Engine rapidement avant qu'il ne parte. Mais comment? Réfléchis Cortex, réfléchis. Oh yeah! Et voici l'une des phases les plus fun mais les plus agaçantes quand il s'agit de récupérer les gemmes du premier coup, l'Uminiscate. Alors je vais essayer de me fail un minimum. Enfin, pas un maximum, un minimum. Que cela m'embêterait beaucoup de devoir recommencer plein de fois un passage à la con pour une gemme. Bon là j'ai réussi à avoir la première, d'habitude ça... C'est un passage où j'ai à peu près une chance sur deux de l'obtenir, puisque par rapport à toutes les fois où je me suis entraîné, oui, j'ai quand même pris soin de m'entraîner, parce que franchement, mine de rien, ce passage peut être torché assez rapidement, comme il peut prendre 3 plombes. Et en fait, afin d'éviter d'y revenir plus tard, j'aimerais avoir toutes les gemmes. Yeah! Donc bon, vous avez compris qu'il faut éviter les mines. Ça, j'ai pas eu besoin de le dire. N'empêche, la musique elle est vachement sympa. Alors faut pas oublier d'activer ces bazars là. Ça active les tremplins. Débarrassez-moi d'eux. Ceci dit, il y a quand même moyen de passer les endroits où il y a un tremplin, même si vous l'avez pas activé, mais bon. Il vaut mieux quand même activer les tremplins. Alors là, soyez bien au centre pour récupérer le cristal et accessoirement éviter de mourir. Bon, normalement si vous êtes relativement bien, si vous n'êtes pas trop lent, ben, les pingouins vous feront aucun mal. Ils exploseront avant. T'aimes les films d'action avec Tom Cruise ou Nicolas Cage. Enfin bref. Donc là, il y a une gemme là. Yeah! Oh oh! Vous pouvez passer sur le côté. Yay! Oh merde, j'ai pas eu la vie. Non, je suis pas bourré. Mesdames, pardonnez-moi. Ils sont vrais? Maman ? Ah, j'adore ce passage. Ils sont vrais. Et la chute elle est marrante aussi. Quel talent. Enfin, je vais éviter de faire des éloges de moi-même parce que si malencontreusement je loupe la gemme jaune, qui est une gemme où je n'aurai pas droit de deuxième chance puisque juste après il y a un checkpoint. C'est mignon hein. Oh, bah d'accord. Moi qui voulais récupérer la vie. Bon là pour le moment tout se passe bien. Tout se passe bien. Oh non. Non. J'ai oublié la gemme. Au plus que l'avoir oublié, je l'ai loupé. Bon bah. Technique de suicide numéro 1. Ah là là. Allez, voilà. Alors la prochaine gemme qui est la gemme jaune, alors là, pas le droit à l'erreur. Yay. Il reste plus qu'une. Bon, ça c'est bien normal. Et lorsque vous êtes en mode boule, vous pouvez vous permettre de vous prendre les stalactites. Là, attention au trou quand même.
Voilà! Je vérifie quand même. C'est pas beau tout ça? Et voilà! Je n'ai jamais été aussi humilié. Aucun trésor ne suffira jamais à me le faire oublier. Trésor? Hein? Super! Oh, le doublage pourri. Alors vous voyez, la maison de Nagodil, elle est complètement démolie. Et ceci dit, je vais déjà vous laisser là. Et là, vous vous dites, mais quoi déjà? Attendez, la passe du Milliskate, ça vaut bien n'importe quelle vidéo de Crash Team Sanity qui dure 20 minutes. Donc je vais vous laisser là parce que, mine de rien, c'est un passage court mais intense. Alors, la prochaine étape consistera... Ah, allez, sur le cuirassé de Engine que on peut déjà voir ici. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et qui sait ce que nous réservera ce cuirassé machiavélique. Allez, salut !